Alors la Golf de Nissan, vous la connaissez, on l'a déjà vue sur Caradisiac, la Nissan Pulsar, elle est ici. Elle est un petit peu plus grosse que la Golf, mais c'est leur proposition sur le segment C. Par contre, celle-ci, vous ne l'avez pas vue parce qu'elle arrive avec un tout nouveau moteur. C'est un 1.6 turbo de 190 chevaux. Alors c'est le même qu'il y a dans le Nissan Juke. C'est le même qu'on trouve aussi dans la Clio RS, mais faut pas le dire. Il développe ici donc 190 chevaux, on l'appelle DIGT. Et c'est ça la nouveauté. La voiture se différencie également des autres Pulsar par ses jantes alliage, ses feux assombris et un intérieur un petit peu spécifique. La Nissan Pulsar DIGT 190, c'est celle qui coiffe la gamme pour le moment. Parce que si ça, ça ne vous va pas à 190 chevaux, il y a également ça. Et ça, ça va être beaucoup, 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 beaucoup plus méchant. Par contre, regardez bien ce qui est inscrit ici, c'est un concept. Quand on dit concept, ça veut dire que les patrons, ils savent pas s'ils vont la faire. Donc si ça, ça vous intéresse, appelez Monsieur Nissan et dites-lui, j'en veux une. Bon, elle est bien celle-là, mais plutôt par celle-là, je suis séduit. Ouais, ouais. Monsieur Nissan, s'il vous plaît. Monsieur Nissan, Monsieur Nissan.